Bonsoir à tous, c'est Plixo, on se retrouve aujourd'hui sur RimWorld. Donc, j'ai absolument aucune idée de l'objectif, on y va à la YOLO aujourd'hui. J'ai vu dans les commentaires que vous m'avez dit que je pouvais fabriquer des munitions avec les arbres grâce au Chemfuel, donc je sais plus exactement quelles sont les recettes, mais il va falloir qu'on fasse un petit peu de recherche. Vous m'avez dit ration de survie aussi, il fallait que je fasse ration de survie puisque ça ne pourrit jamais. Ce qui est une très bonne idée. Pourquoi ça commence toujours comme ça? Ça, Snack, ça va? Mais non, mais Snack, sauve Michael du coup. Voilà, on est bien. Quelles sont les blessures? Pas grand chose. Ça va. Ça va, c'est tout est calme. Pourquoi il faut toujours que ça commence comme ça? Bon, en tout cas, on n'est pas trop mal. On a tout ça qui est en train d'être construit. Donc, on utilise pas mal de bois ces derniers temps. On a encore beaucoup de bois. Ça, on en a 623. Donc, on devrait être tranquille pendant un moment. On a toujours ça. Il faudrait que je refoute le feu là-dedans parce que c'est pas top. Bon, on va pouvoir commencer à bien récupérer l'énergie de ces trucs-là. On a l'énergie de backup. Tout le système électrique est prêt pour un backup en cas de problème. Ah si. Un truc que vous m'avez dit dans les commentaires, il faut que j'ouvre ce truc. C'est vrai qu'il est temps. C'est vrai qu'il est temps. Et vu qu'on n'a pas eu de menace particulière, je suis tenté de dire on va tout ouvrir. On va ouvrir sans aucune précaution quasiment. Sauf que je vais activer ça, ça et ça. Juste pour être sûr. C'est juste pour être tranquille. Et de toute façon, on est très large au niveau énergie. On dépasse largement ce dont on a besoin. Tout le monde est en train d'être soigné. Ah, on est enfin en train de construire donc tous nos composants dont on a besoin. Est-ce que quelqu'un se met à construire? Non, personne n'y touche, c'est bon. Je vais attendre demain matin quand même pour ouvrir la zone. Juste pour être sûr. Juste pour être tranquille. Et on a presque fini d'assécher cette zone. Je sais pas où c'est parce qu'on a de la neige dessus, mais on a presque fini. Temps passé, 3 saisons. Mais rayon actuel, 5,2. Et on a le rayon sera fini de s'étendre dans 6 jours et 20 heures. Donc ça va. Vêtements chauds, qu'est-ce qui t'arrive? Juste une veste. Oh, ça ira. Il fait bon dans la base, il fait 21 degrés. Bon, 20-21, ça saute entre 20 et 21, mais ça va. Ok, donc. Juste pour être sûr. Je prends tout le monde. Qui n'est pas bien armé? Snack, tu n'es pas bien armé, je trouve. Bon, ici. Non, Mason, tu vas devoir aller au... Non, Snack, tu... Gun complexe. Zitoun, tu te mets... Là, ce sera bien. Mason, je te libère. Et tu vas ouvrir ce truc. Juste au cas où, tout le monde est prêt. Non, Michael. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour ça. C'était... décevant. C'était clairement décevant. Je m'attendais à, je sais pas, des sarcophages, quelque chose. Et je suis sûr que vous aussi, puisque vous me demandiez de l'ouvrir. Mais non. Que dalle. Rien. Là, je suis déçu. Là, je suis clairement déçu. Le jeu, tu m'as habitué à mieux. D'habitude, tu me défonces plus facilement que ça.
Ça pourrait être intéressant aussi, remarque. Ok, ils sont totalement guéris tous les deux. Parfait, Max est toujours en train de construire les composants. 17 sur 30, hein, il va avoir du boulot. Panne de radiateur, bah forcément dès qu'on en construit, on en perd. Donc je vais récupérer le maximum de métal que je peux avant de devoir en acheter en fait. On va arriver bientôt au point où je pense que je vais devoir acheter du métal. Je vais devoir acheter du métal dans très peu de temps, je pense. Il est de retour, lui. Il est de retour. Non, mais d'accord. J'avais pas dit que je voulais plus te voir. Voilà. J'ai l'impression que les températures reviennent. Il fait un petit peu plus chaud. Il fait plus de 2 degrés, donc la neige va pas tarder à fondre. On récupère le métal, le plastacier n'a pas toujours... Bon, tout ça, ça n'a pas été récupéré. Toujours pas transporté, mais Mason ne peut toujours pas transporter, c'est normal. Tout va bien. La turbine est à pleine puissance. Et les backups d'énergie, c'est bon. Ce sera fini. On est full, donc je vais pouvoir couper les batteries ici. Pour avoir une bonne réserve. Ça devrait être parfait. Tout le monde dort tranquille. On est bien. Pas d'attaque. Je veux pas d'attaque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste avoir une journée sans qu'il y ait un truc qui tombe en panne? Sérieusement. On a quasiment plus de bouffe. De viande et de... On a du riz un petit peu, mais pas plus que ça. Par contre, les patates poussent vite. C'est l'avantage. Des plantes médicinales, on en a, mais pas plus que ça. Ça reste quand même assez, assez limité. Et ces deux trucs-là vont commencer à planter d'ici très peu de temps, je pense. En tout cas, j'espère. En tout cas, j'espère que ça va aller assez vite. On produit largement plus que ce qu'il nous faut. Même si ça diminue quand même. C'est à cause de l'éolienne qui est pas super stable. La production est pas super stable. Il nous offre 2000 si on va s'occuper des bandits. Moi je dis il est temps qu'on produise des armures. Il est temps qu'on produise des armures. Le temps est venu. Le temps est venu, je pense, de fabriquer des armures. Je sais pas si on a les ressources, mais... 18 composants. Ok, non, on n'a pas les ressources encore. Et j'ai même pas de quoi faire les... Non, j'ai même pas de quoi faire le... L'armure en elle-même, j'ai pas le plastacier qu'il faut. Michael, tu vas chercher le plastacier qui est dehors depuis... probablement plusieurs mois maintenant, in-game. On a toujours un loup ici. J'aime pas les loups. Les loups, ils sont toujours en train de nous attaquer. Je les aime pas. On va récupérer ce métal, on va être vraiment bien, je pense. On a de la chance d'avoir eu un filon de plastacier assez tôt. Eh, hey, ça sèche bien ici. Je vais construire une copie... Et juste là. Ça devrait suffire. Ration de survie terminée, donc là on va foncer vraiment sur tout ce qui est recherche qui pourrait nous servir. Forage en profondeur. Ça c'est pas bon par contre. Bon. Activer les tourelles. Mason, tu te mets en position ici.
C'est vrai que si tu te mets ici, Max, le canon Zitoun, tourelle. Et Snax, tu t'occupes des tourelles, enfin d'activer les tourelles. Et tu défends Snax. Ok, on en a quelques-uns qui sont passés par derrière, c'était pas vraiment prévu. Je veux que tu allumes cette tourelle. Oh, on en a peut-être un qui est récupérable. On va attendre le... On va regarder avant. Là. On va se concentrer sur le combat avant. Deux personnes récupérables. Ça fuit. Trois personnes récupérables. Trois personnes récupérables, j'ai rien dit. Mets-lui une balle dans le dos. Ah. Bon, tout ça c'est à récupérer. Ok, qui est... intéressant. Lui ça va. Soins surveillance, lutte anti-incendie, cogneur pyromane, beau. Mais les 14... Mais... Lui par contre il est vraiment intéressant. Clairement. Et lui, il m'intéresse aussi, mais il est paresseux et cupide. Ce qui me plaît pas trop et elle a pas particulièrement de bon... Par contre, médecine 8. Médecine 8 et on a besoin de médecins. Par contre, toi, je vais te déshabiller. Je vais pas oublier de le faire cette fois. Oh, un troisième, je l'avais pas vu, lui. Oh, lui. Lui, je le veux. Ok, on soigne tout le monde. Je sais plus qui est notre médecin. Strikes. Tu les soignes. Qui est notre deuxième médecin? Il va falloir qu'il se mette au boulot aussi. Snack, tu vas devoir te mettre à soigner des gens. Bon, on vient de bouffer toutes nos ressources. Ah, un écureuil mâle a été apprivoisé. Cool. Meurs. Alors, animaux, tu te mets dans la base et ensuite tu vas mourir. C'était une bonne récupération là. On a récupéré pas mal de gens. On va avoir des gens à nommer, je pense. Recruter. Ça va peut-être être un petit peu chaud au niveau de la bouffe, il va falloir que j'augmente le nombre de bassins hydroponiques parce qu'on est vraiment limite de ce côté-là, mais ça devrait aller. Est-ce que je peux déplacer une... Il va falloir que je fasse des chambres. Si je veux recruter tous ces gens, il va falloir que je fasse plus de chambres. Plus de chambres. Où est-ce que je pourrais les mettre? Je peux pas les mettre ici. C'est ici que sont nos défenses. Je peux pas vraiment faire ça. La prison dans la chambre. Non, c'est pas possible. Maladie, infection. Eh ben, il va être soigné, hein. On a récupéré pas mal de trucs, donc ça devrait aller. J'ai relativement confiance. Même si on est très limité au niveau métal.
Je pense qu'il va nous falloir la balise de commerce. Balise de commerce, je la fais tout de suite, comme ça au moins on sera tranquille. Tout devrait bien se passer. C'est-à-dire qu'on a potentiellement 3 personnes qu'on va pouvoir nommer. Je suis même tenté de réinstaller la statue. Yeah. Secourir. Rien à péter. Ok, tout le monde. Max, tu manipules le gun complexe. Mais derrière, Strike, tu te mets... tu te mets ici. Mason, avec ton fusil à pompe ici. Michael, de l'autre côté. Et Zitoun, tu tires dans le tas. Et Onesan, tu fais ce que tu peux. Tu... Est-ce qu'il y a une arme qui pourrait être intéressante? Oui. Mason, recule. Ça fuit. Ça fuit, c'est réglé. Onesan, c'est quoi tes capacités? Oh. C'est pas mal. C'est plus qu'acceptable. Ces gens sont-ils intéressants? Psychopathe, nerveux, nettoyé? Non. Alors là, non. Optimiste, nerveux, incapable de tir et de sociabilité. On a déjà assez de gens comme ça à recruter, je pense. Non plus. Lui, par contre, il est intéressant. Par contre, il est incisif. Je pense que ce sera un non. Ce sera un non pour tout le monde parce qu'on a déjà beaucoup de gens à récupérer et j'ai plus de place. Même si... Lui m'intéresse beaucoup. Ah, il est dépressif. Ses capacités sont pas si bonnes que ça. Par contre, lui, il est bon en cuisine. Et en plantation. Ok. C'est décidé. Ça va durer 30 secondes, Max, désolé. Je crois que c'était lui. Cuisine, construction, agriculture, oui, c'est lui. Construire une copie au plus vite. Mason, tu construis cette copie tout de suite. Maladie grave, qu'est-ce qui t'arrive? Strike, 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 tu le soignes tout de suite. Et ceci n'est plus un lit de prisonnier. Et Onesan a besoin d'une chambre. Là, ça devient critique. Il nous faut une chambre pour Onesan. Ça devient critique. Où est-ce que je peux la mettre? Si je fais un couloir de 3... Il faut combien ici? Au moins 7. Forcément, le 7, il est dans le mur. Ça serait suffisant.
Ça serait suffisant et ça me va totalement. Pas, mais bon, on va falloir qu'on fasse avec. De toute façon. Et je devrais pas faire ça en bois. Donc on va annuler tout. J'étais pas censé le faire en bois. Bloc de grès au moins. Bon. Ça me plaît pas vraiment parce que je voulais un couloir. Je vais la faire plus petite que les autres, c'est pas grave. Sinon, je vais jamais le faire. Donc, je me connais, je vais jamais le faire. Ouais, elle aura juste une chambre qui a une forme un peu bizarre. C'est pas un problème. Tout ça, ça doit être construit au plus vite. Prisonnier, chat et récup. Donc là, on est vraiment en recrutage maximum. Hein. On peut pas vraiment faire mieux. Je peux pas vraiment faire mieux là que ce que je fais actuellement. Un lit ici. Alors le sol, faudrait que j'aplanisse le sol. Vous m'avez dit il y a un moment qu'il fallait absolument que je fasse du sol dans la base. Ça prend un peu de temps et j'ai pris du retard là-dessus, mais bon. Tout ça va être construit assez vite, je pense. Et Onessan aura sa chambre dès ce soir. Je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est pas grave. Il faut que je pense à mettre les ventilations, enfin au moins une. Ici ce sera parfait. Et démolir tout ça. Et on peut, ça y est, on commence à planter, ça y est. Ça a commencé, on commence à planter. Non, Mason, tu finis construire. Mason, tu finis construire. Ça va, Nessa, il fait pas trop froid? Si, il doit faire super froid. Je me suis pas occupé de son travail d'ailleurs. Repos. Joli niveau 1, cuisine jamais. Construction, oui. Ferme, tu as 3, donc pas plus que ça. Bon, bah c'est pas grave. Dors dans le froid si ça te dérange pas. Hein. Par contre, Max va pas bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Grosse faim, bah va manger. Souffre légèrement, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, tout ça, ça a été construit et au moins... Snack va lui construire sa... ce qu'il lui faut. Bon, c'est déjà... C'est fait, donc c'est déjà ça. Il fait 3 degrés à l'intérieur ici. 19 degrés. Générateur géothermique qui tombe en panne. Tout tombe en panne en ce moment. Ça demande des composants. Non, juste de l'acier, parfait. De l'acier que j'ai plus. Je crois que j'ai littéralement plus du tout d'acier. Bon, on a une petite crise de chambre là quand même. Je sais pas où mettre les chambres. Je pense que ces champs vont devoir dégager assez vite.
Limite ce champ, je vais le supprimer tout de suite. Je vais le supprimer tout de suite tant qu'il n'a pas été encore bien planté. Et zone agricole. Tout ça sera une zone, une deuxième zone agricole qui va planter du riz. C'est bizarre, il me les a pas collés ensemble. En général, il me les colle très vite ensemble. Ah, il les a pas déshabillés assez vite. Dommage. Tout le monde n'a pas encore été déshabillé. J'espère vraiment qu'il les déshabille plus tôt. Onesan a un risque de démence mineure. Qu'est-ce qui t'arrive? Probablement à cause de tous les cadavres que tu vois. Besoin... Équipé d'une arme à distance. Ok, lâche cette arme. Forage en profondeur terminé. Parfait, donc on va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Et je pense qu'on va construire les chambres ici. Non, j'ai cru qu'on avait plus d'énergie. Ouh, j'ai cru qu'on avait plus d'énergie. Ok, mur en grès. Oh, 7. C'était celui-là. Ok. On devrait être défendu suffisamment par nos tourelles. Ça devrait pas poser de problème. Voilà. Je serais toi, je ferais pas ça. Hein. Bon, on a de la bouffe. Faut le prendre comme ça, on a de la bouffe. Bon. Maintenant. 7. Parfait, donc ça, c'est... Cette zone-là sera un tampon, hein. On pourrait presque croire que c'était fait pour. Et des portes. Donc je colle des chambres un petit peu partout, hein. Je fais ce que je peux. Ça ressemble absolument à rien. Wow. Des baies. Ok, je prends. La capsule de cargo qui tombe de l'espace, moi ça me va. Et... Qui a tué une dinde? Plutox... Oh non, sérieusement? Oui, ça ne récupérer toutes les baies. On va avoir des pluies toxiques. Ça pouvait pas plus mal tomber, je crois. Donc, tout ça, c'est mort. On va avoir des super récoltes cet hiver. Qu'est-ce que donne l'énergie ? Visiteur. Qui est mon meilleur en social déjà? 7, 11. Et bien maintenant, c'est Onesan qui va courir. J'ai presque envie de renommer Onesan en Savouz. Parce que... Est-ce que c'est une artiste? Non. Ça ne peut pas être Savouz, on ne peut pas renommer... On est ça dans Savouz parce que ce n'est pas une artiste. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence à Savouz, c'est dans une ancienne série sur Rimworld qui était juste... J'ai martyrisé un des colons qui s'appelait Savouz. Qui est une visionneuse de la, que vous retrouverez probablement dans les commentaires. Donc, arc...
Pila, Recurve Bow. On vend toutes les armes qui ne nous servent pas. Et tout ce qui ne nous sert pas tout court, en fait, ici. Autant dire qu'on a beaucoup de choses à vendre. Vu qu'on a tendance un petit peu à tuer à tour de bras, on a pas mal de choses à vendre. Du Yao, j'en veux pas. Des composants, par contre, je dis pas non. Vous en avez qu'un et il est hors de prix. Non merci. Des médicaments, ils sont dans le prix. Ils sont dans le prix. Ils sont dans le prix, même plutôt normal, donc... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh bien, je gagne 48 de cette transaction. Ça ne récupère nos médicaments. Que je vais immédiatement interdire. Comment va ta santé? Tu as pas été... Non, c'est bon. T'as pas été exposé trop longtemps. Donc tu peux retourner chercher l'argent. Parce que voyez-vous, j'aime l'argent. Alors, snack. Ok, il faut que je construise les portes un petit peu partout. Mais c'est bon, on est bien. Hiver volcanique plus pluie toxique. Je crois qu'on peut dire que la colonie, elle est bien là. 21 degrés, 14 degrés, j'ai pas mis de ventilation, c'est normal. Limite, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une ventile ici? Je vais construire un mur ici et détruire ces murs ici pour agrandir le stockage. Puisqu'il sert définitivement absolument à rien. C'est pas grave. Tout tient bon. Tout devrait bien se passer. On est bien, on a, mis à part la pluie toxique. Mis à part la pluie toxique, on est bien. Je vais juste mettre plus de ces horreurs. Il nous faut plus de nourriture, donc il va nous falloir plus de ces trucs-là. Même si ça coûte extrêmement cher. Ça va coûter extrêmement cher. Oh, wow, 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 wow. Courez vite! Mason aurait dû fuir de l'autre côté, mais c'est pas grave. En espérant juste qu'elle n'arrive pas à te tuer. Ah! Si ça continue, elle va arriver à le tuer. Mais attaquez-le! Ok. Ah, ils l'ont eu. Ils ont tué Mason! Les... Non, c'est pas le bon mot. Ah! Mason nous a quittés. Mason nous a quittés, génial! Il nous faut un sarcophage. Ah bah ça tombe bien, il est déjà là. Génial! Saleté de loup.
Saleté de loup. Mais sur ce, sur cette tragédie, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Mais sur ce, à dans la prochaine vidéo.